Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage généraliste. C'est parti. On commence à la cuisine aujourd'hui. On a le retour de ces mini planches à servir. Elles existent en rond ou en carré. Elles sont à 1 euro. Donc tout en bois de manguier. Elles sont pas mal. Vous les aviez bien aimées en tout cas. Si vous cherchez quelque chose de plus grand, on a celle-ci à 5 euros. Elles font 46 par 21. Et elles sont belles. Elles sont toutes lisses. Elles sont bien polies. Les mini passoires à poignées, elles sont à 1,50€, elles existent aussi en blanc. Elles font 16 cm de diamètre, elles sont super belles d'ailleurs. Et vous avez aussi depuis pas longtemps ces bacs à couverts. Alors dans ce magasin, c'est vendu par deux. J'ai déjà vu dans d'autres magasins où c'était à l'unité. Là c'est le set de deux à 2,47€. Il y avait un petit et un grand. Voilà ce qu'on achète. Tiens, chez Lidl ce matin, il y avait la bagarre et en fait, ça se battait pour un grill comme ça qui était passé à 15 euros, je crois, au lieu de, je sais plus, c'était combien, 40 euros peut-être. Bon, pour les jolis qui n'ont pas pu l'avoir, il est à 18 euros chez Action. C'est peut-être pas la même chose. Et voilà, je suis encore choquée de voir des gens se battre pour des articles, quoi. Enfin bon, c'est un peu éprouvant. Allez, on continue. On est au rayon déco, juste pour info, ce miroir là, en semaine d'Action. Il est en promo, alors vous l'avez, je comprends pas d'ailleurs, parce que là il y a écrit 6,95€ et je crois qu'en semaine d'Action, là-bas dans le rayon, c'était 6,95€ aussi. Il existe en clair et en foncé, il fait 46 par 28, à vérifier quand même. Par ici, vous voyez, on a des étagères comme ça s'appellent des planches photo, elles font 77 de longueur, elles sont à 6€. On peut aussi les utiliser dans la cuisine pour mettre, vous savez, tout ce qui est pot à épices et tout, ça rentre parfaitement bien, ça donne ça. Donc là, on a du blanc, du noir et coloris bois. C'est vraiment cool. Et alors, on a aussi des nouveaux paniers. Alors, ils n'ont pas mis le prix encore. Regardez, ils existent en blanc comme ça. Je crois que c'est 4 euros. Je l'avais vu sur Agno l'autre fois. Bon, je vais arrêter de fouiller dans les cartons. Ça se fait pas. Allez, je me dépêche. Ils sont très sympas pour ranger des petites choses dans le cellier, par exemple, ou dans la salle de bain. Par ici, on a des petits plateaux bambou. Ils font 31 par 22. Et ils sont à 3,80 euros. Ah, regardez, coutez coussins, ils sont tous là, les nouveaux Alaska. Ouais, ils sont à 7,95€. Bon, il est un peu moins beau que l'Alaska, non, je crois. Enfin, il est beau aussi, hein. Et il fait combien en dimension? Il fait 38 par 58. 8 euros. Bon, et ici, sans surprise, voilà, on a du stock sur les photophores U à 2 euros. On a du stock sur les derniers qui sont arrivés, ils sont à 3 euros. Donc ça... Voilà, en céramique pour mettre des chandelles. Et je suis allée à la verrerie parce qu'il y avait plutôt trop de choses au niveau déco. Et vous savez, je vous ai montré l'autre fois ces petits verres à eau pour les jolis qui les ont loupés. C'est les deux à 1 euro. Ils font 22 centilitres. Voilà, c'est les petits verres à eau. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont empilables. Ça, c'est cool. C'est le seul motif qui existe. Après, vous avez toujours possibilité d'acheter ces verres hein, à 1,60€. Le Bormioli fait 39 centilitres. Et on a le retour de ceux-là qui sont super sympas aussi. En 40 centilitres. Là, on a différents modèles. Je vais faire gaffe parce que je suis capable de tout casser. C'est 1,50€. Oui, je veux pas trop... voilà. Voilà les différents motifs que vous pourrez trouver. Et à côté, on a ceux-là à 2€ qui sont super bien, ceux-là. Ils sont bien solides. Je vous le dis parce que mon frère les a, donc c'est vrai qu'ils sont bien. Allez, rayon vaisselle, je vous ai montré ces nouveaux mugs sur Schweigus. Ça y est, ils sont arrivés à l'Ampertime, ils sont à 1€. Ils font 24 centilitres de contenance. On a ces deux couleurs, mais vous voyez, on a du bleu aussi. Pareil, ils ont rentré cette gamme-là, c'est la gamme, comment elle s'appelle déjà? Maya, mais je crois que c'est un retour de stock, hein, je ne me rappelle plus du tout. C'est 3€ l'assiette en 27 cm de diamètre. Oula, on a le saladier. Il n'y a pas le prix du saladier, je crois que c'est 5,95€. Et regardez, on a aussi le bol, l'assiette creuse. Elle est trop belle la gamme. L'assiette creuse, elle est à 2,60€ et le bol à 6€. Et regardez, il y a une troisième couleur ici, c'est celle-là en vert. Elle est super brillante, elle est super belle. Pour le reste, je crois que je vous ai déjà tout montré. Donc on va aller faire un tour ailleurs, les jolies. Regardez ce qu'ils ont remis en stock, les carafes comme ça, en borosilicate. Donc on peut mettre du chaud et du froid dedans. À 5€, elles font 1 litre de contenance. Ah, regardez cette mignonnerie j'allais dire de nouvelle ambiance sur un. Allez, go se coucher. Les petits mugs, alors qu'on peut offrir pour la Saint-Valentin ou s'offrir parce qu'ils sont adorables. Regardez celui-là avec le panda. Ils sont à 2,50€.
Il y a écrit With Love aussi. Ils sont vraiment trop mignons. Hein. Vous avez 50 grammes de petits chocolats en plus. Si vous voulez vous offrir une petite sucette, c'est 84 centimes. Et ils ont des chocolats aussi. Alors, il y a deux boîtes cette année. Je crois que l'année dernière, on ne les avait pas. Il y avait une des deux qu'on n'avait pas. On a ceux-là à 4 euros. Et vous avez les fameux chocolats belges. C'est 4 euros aussi. C'est du 200 grammes pour les deux. Hein. Si on veut pas de mug, on peut aussi offrir que des petits chocolats à 1 euro les 50 grammes. C'est beaucoup trop chou, ça. Beaucoup, beaucoup trop. Et regardez, ils ont même mis du réassort sur ces parfums. Ils sont à 10 euros. C'est le Morgane. Alors, ils ont mis que le raid hein, pour le thème Saint-Valentin. On a ces petits blushs adorables en forme de cœur à 2,30 euros. On a aussi les lipsticks. Ça, c'est des coffrets de 6 lipsticks, enfin 6 rouges à lèvres. Je vais arrêter de parler anglais parce qu'on me l'a reproché. Désolée. Hein. C'est 4 euros les 6. Et on a aussi... Pardon, excusez-moi, bonjour. On a aussi des fleurs comme ça en pot. Ça, c'est 4 euros. Si vous voulez acheter des petites roses adorables, elles sont à 1 euro. Oh, regardez ces petites mignonneries. Je vais arrêter de fouiller dans les cartons, ils vont me virer un jour. Mais c'est trop chou. Alors, j'ai pas le prix encore, malheureusement. C'est pas encore mis en rayon, mais c'est beaucoup trop chou. Par ici, on a des carnets à 2,50 euros avec le cadenas. 96 feuilles, on a ces deux sortes. Bon, les petits parfums, je vous les ai montrés, hein, c'est 2 euros. Et on peut se payer aussi un cœur en moumoute. Ça, ça coûte 94 centimes. Désolée si je suis pas trop sensible. La Saint-Valentin, c'est pas du tout mon truc. Mais pas du tout. Mais voilà, je trouve ça quand même mignon. Toutes ces petites choses qui sont posées. Ils ont aussi rentré les mugs. Mais alors là, j'ai pas le prix à vous donner. Ils sont encore en carton. Ah, on les avait ceux-là l'année dernière. Je me demande si c'était pas 4 euros avec la boule à thé et le repose sachet. Voilà, tout est là. On a aussi des assiettes à 2,60 euros. Et en plus, elles passent au lave-vaisselle. Me and you, I love you. Au choix. Allez, on continue. C'est pas une spéciale Saint-Valentin ici. On va aller voir d'autres trucs. Ah oui, hier, je vous montrais juste, je le remontre encore une fois pour celles qui ont loupé. Il y a de la crème pour les pieds, anti-callosité. C'est 2 euros le tube. C'est Scholl, hein, la marque. Et vous avez le dupe de Vicks Vaporub, là, à 2 euros aussi. Les 100 grammes. Allez, rayon bijoux, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour. Regardez, on a des petites bagues comme ça, c'est 2 euros. Non, c'est 1,80, pardon. Les 6. Vous avez différentes sortes. En boucle d'oreille, on a celle-ci à 1,40. Qui sont très sympas. Et pour les cheveux, regardez, on a des brosses pliables. Ça, c'est la révolution de l'année. En plus, c'est du poil qui n'est pas trop dur. Ça coûte 70 centimes. Parfait pour mettre dans la trousse de toilette, dans le sac à main. Bon, moi, je suis pas le genre de nana à me recoiffer en cours de journée ni en cours de soirée. Mais voilà, ça peut être utile. 80 centimes. 70 centimes. Je vais aller me coucher, là. Et sinon, retour en stock pour cette brosse, là, brosse chauffante. Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé? Tiens, ça a l'air vraiment pas mal, ça, pour se coiffer vite fait quand les cheveux ils partent un peu en frisottis et tout. Elle est à 10 euros seulement. On a aussi le sèche-cheveux à 10 euros. Allez, on a du nouveau, je crois, au niveau grignotage. Là, pour une fois, c'est quelque chose d'un peu, d'un peu sain. On a des olives. Les olives, elles sont à 70 centimes, les 180 grammes. Ça, c'est revenu à pas longtemps, à 1,20 euros. C'est super bon. Je vous les recommande. Je pense pas que ça soit très, très sain, mais bon, de temps en temps, ça peut être pas mal. Et je crois qu'on a fait le tour, mes petites jolies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à la liker. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous, bye.